vont terminer en sort d'arène, s'il vous plaît. Et c'est parti! On donne une grille au fond, ça bouge encore. Yes, le noir ici aussi. C'est un 6 cylindres, ça, tantôt, je me trompe pas. Yes! Véhicule de Fat Auto. Voilà, pour 1988, on retourne au même point tantôt. Exactement, même place. On va essayer d'en sortir. Et il fait signe en rire, hein? Pousse-moi! Il y a une V13 là-bas, là, ça a l'air... On est encastré dans le devant de notre véhicule gris tantôt. C'est quelque chose, j'espère que... On a notre... droit tantôt, le 6 cylindres que je parlais, qui roule encore. Hey, c'est facile! Je sais pas si c'est 988, on va finir par sortir là. Non, on essaye en tout cas. Un coup de transmission, oui. Et ça l'est pareil, la transmission. Hein. Y en a-tu qui bouge encore? On avait notre petit noir là-bas, le 6 cylindres. Ouais, yes sir! On a un officiellement qui bouge encore. C'est en train de... C'est du fun ici, 988. On essaie de pousser au fond le gris. Je sais pas si on va être capable de sortir. Tantôt, on bougeait avec le B13. Et 988, là. On essaye vraiment de bouger. Ça veut pas. Le petit gris là-bas, on va avoir des poignées aussi. Le moteur essaye, mais le reste, il veut pas. On est à droit nos juges. La B13, il y a un petit mouvement. Là. On peut dire que c'est bon. On va peut-être réussir à sortir. On travaille fort. Au centre, on est en train de jaser. La B13, hein, on essaie. On voit que les roues veulent bouger un peu, mais vraiment avec difficulté. Oh! On a reculé. On avance un peu. Là, je pense qu'on joue vraiment pour la deuxième place. Et ouais, ça bouge! Hein? On a déjà essayé assez longtemps, merci. Peut-être, ouais. On a bougé, pour moi on va se staller là un petit peu. Donc on a toujours le véhicule noir et la B13. Je sais pas si le véhicule noir, ouais, le B13 recule encore. Le petit noir en avant qui attend probablement qu'il se déplace ou si ça bouge encore. Et on essaye vraiment par tous les moyens de bouger. Les moteurs ont fait révolutionner ça.
le B13, on a Claude Vaillancourt dans le B13 qui travaille fort depuis tantôt. En première position, Guillaume Ouellette, le noir, numéro 84 pour l'instant, qui est en deuxième position. C'est terminé.